Tout va bien. C'est bien, il nous donne un taser exprès en gros pour nous dire plus ou moins que. Et vous pouvez. Vous pouvez les sauver. Portée. Ah, la portée, on va augmenter la portée. Vitesse de charge. Après la puissance, je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Enfin, pas pour l'instant, vu que. On l'utilise pas vraiment pour le combat, mais seulement pour étourdir. Carte grâce à elle, enfin grâce au typhon. Ça, pour réparer, c'est simple quand même. Mallette, y'a rien dedans. Alors. Ça, c'est les escaliers au hall. Ok, cool. Aha. On fait le. J'essaye de faire pièce par pièce, mais sans me perdre non plus. Ouais, on a qu'à faire le cinéma. Déjà, on va regarder s'il n'y a pas des humains. Scanner de réservation. Après, il y a le système des. Des chasses au trésor, là, un peu bizarre. Là, il faudra y aller. Je regarde s'il n'y a pas des humains, mais je vois personne.
Ah, c'est tombé. Devrait pas être à la portée de tout le monde. Je surveille tes arrières parce que je t'aime. Tu m'aimes ? Je t'aime assez pour passer sous ton bureau. Je cherchais franchement pas le stylo que j'avais fait tomber. Belle parleuse. Sympathique. D'avoir grand chose. Okay. Ah, putain, il y en a des trucs à casser. Salle de l'Oppo. On vient d'ici ou pas? On est déjà venu ici. Je commence à beaucoup aimer l'infiltration là. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Parce qu'en plus on a plein de... d'outils, donc ça se passe super bien. On vient d'ici hein. Ok. Sous contrôle Typhoon. Typhoon. Oh la vache. J'ai l'impression de voir qu'une seule personne, donc ça va. Ah, il y a un poltergeist. Je crois. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je l'entends dans ma tête. Il arrête pas de parler. Celui-là vient de notre laboratoire. Bah, oula. Okay.
pas envie d'alerter des humains par contre. On l'a tué? Ouais, c'est bon. Ok, cool. Ouh. C'était un peu chaud, je peux pas y aller comme un bourrin non plus parce que sinon, sinon ça va mal se passer. Alors, faudrait lui envoyer un truc. Ah merde. J'entends dans ma tête, il arrête pas de parler. Bah, dors. Oh, des manettes. Elle marche l'étoile? Non. C'est un crochetage pour celle qui arrive à résoudre l'énigme. Essayez d'empêcher d'utiliser des gemmes blanches contre les nécros, ne pas oublier que les ogres aveugles peuvent appeler à l'aide avec leur gong. Ah, c'est du donjon et dragon. Ah, des pizzas. Ah, c'est sympa ce truc. L2. D'accord. Elias a... Elgarod a disparu dans les ténèbres de la tour. La seule trace de sa présence est une traînée de sang. Mais en observant les dalles, vous remarquez qu'elles semblent absorber le sang. Bordel, c'est dégueulasse! Fais pas ta chouchotte. Soit on passe par la porte. Pas question. Elle vient de bouffer notre guerrier. À moins que tu puisses t'occuper d'une horde d'hommes rats. Sans magie, on n'a pas trop le choix. Elias? Pardon. Elgarod? Capitaine Elgarod. Je peux lui répondre? Certainement pas. Aucun son n'émane des ténèbres. Elles ont englouti Elgarod. Complètement. Bon, je vais allumer une torche et... Salut les gars, désolé pour le retard. Il y a eu une mise à jour de l'OS de la station. J'ai dû tenir Bellamy par la main pendant toute l'opération. Habite à ma fiche de perso? Ah, t'es venu. Oui, elle est là. Oh. Hmm, on pourrait monter encore. Maintenant, je me méfie en fait. S'il pourrait pas avoir des objets un peu partout au plafond. C'est joli ça, la carte et tout. Vraiment sympa.
qu'ils les ont requis. Ok, on a fait cet endroit, on est bien. Voilà, ok. Maintenant il nous reste quoi? Qu'est-ce que c'est grand à chaque fois. Alors, il y a tout ce côté gauche. Tout là. Oh putain. Oh, on va s'amuser. Hein. Alors, on a fait le centre de fitness. Ok. Puce. Nouvelle demande de Morgan. Je suis tombé sur Morgan labo technique aujourd'hui, debout, les bras ballants comme victime d'une absence. Et quand je lui ai offert mon aide, Morgan m'a demandé une nouvelle pièce d'opérateur. Je lui ai demandé si celle qu'on avait lui envoyée récemment n'était pas suffisante et j'ai eu une seule réponse, un regard vide. Sans vouloir lui manquer de respect, Morgan a réquisitionné assez de pièces pour réparer tous les opérateurs de la station 5 fois. Nous avons longtemps... bizarre. Je suis en train de me demander, est-ce que, genre, Alex, notre frère, veut pas devenir extrêmement puissant, machin, etc. Grâce au Typhoon, en fait, grâce aux monstres, aux aliens. Il était peut-être jaloux de nous. Ou alors, on a fini par se faire posséder par les Typhoons, parce qu'on s'est fait tellement d'implants et tout ça. Que Alex a essayé de nous sauver en fait, de nous arrêter. Dans cette histoire, on peut être ou méchant ou gentil, complètement. C'est ou l'un ou l'autre. Pour le moment, on sait pas du tout, quoi. Pour regarder s'il n'y a pas quelqu'un à zapper, comme ça il ne se suicide pas. Tu m'as manqué, je te laisse ta fiche perso ici, mais j'en ai une autre au cas où si tu reviendrais pas avant qu'on commence à jouer. T'inquiète, ça a l'air top, on se voit dans la salle de repos.
retrouver mon transcript, aller voir dans le cinéma, récupérer mes affaires dans les cabines d'avis, finir les lettres d'excuses, sortir de ma grotte, privilégier une relation sur le boulot. Oh, des fleurs. Transcrive HS, réparé, oui. Qu'est-ce que tu fais? T'enregistres? Les transcripts communs, c'est marrant. Je crois pas, non. C'est comme du scrapbooking mental. On sauvegarde les moments importants. Non, ça avait l'air grave. Alors je voulais éteindre mon transcribe. Si je comprends bien, tu me demandes si je suis d'accord pour enregistrer. Notre partie. Sur des transcribes. Oui, je sais qu'utiliser la mémoire, c'est pas très réglementaire. Je refuse d'avoir cette conversation. Oh, je suis désolée. Je pourrais perdre mon boulot rien qu'en parlant de ça avec toi. Hein? Hein? Pour commencer, oui. Et plus si affinité. Un dîner avec moi pour te racheter. Hein? Ça fait beaucoup de hein, alors que tu pourrais juste répondre oui. Oui. Tu vois, c'est réglé. T'inquiète pas pour les transcribes, c'est pas interdit. Et donc, tu m'invites à ta partie ou pas? Cher futur nous, aujourd'hui... Futur nous? J'aimerais revenir en arrière, mais c'est trop tard. On va pas s'appeler. Je suis pas doué pour ça, c'est flagrant. Comme ça. Aujourd'hui, j'ai réussi à convaincre ma splendide mais têtue partenaire de... Têtue. De rester au lit et de ne pas faire d'heure sup. Et voilà comment je suis récompensée. C'est marrant pour nous tenir en haleine. En gros, ils nous mettent une histoire de lesbienne. Ça a l'air bien ici. C'est quoi ça? Ils savent s'amuser en fait. Alors, utilitaire, trésor caché. Daniel, j'ai eu une réunion avec le grand Alex Yu aujourd'hui. Il m'a encore sorti ses excuses bidons. Entre lui et Morgan, c'est une tradition familiale. Le fameux désolé des Yu. Encore plus hypocrite que des excuses à la Daniel Show? Non. Daniel, je dis pas que travailler avec eux est une sinécure, mais... Tu viens de me comparer à lui? Oh la vache, mot de passe d'Abby. Ce sac à merde arrogant? Bon, on peut pas continuer comme ça. T'as raison, va-t'en. C'est fini entre nous. Daniel, j'ai dit va-t'en. Ouh. Ouh là 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 là. Ça devrait suffire à synthétiser la voix de Daniel et à berner le module d'accès au stockage. Au fait, j'ai effectué un suivi des variations des signatures de champs noétiques dans la station. Avec les humains, le signal est à peine audible. Le typhoon crée une onde bien plus forte. Mais avec le corail, les relevés sont inconstants. Je ne sais pas quoi en penser. Il faut trouver votre clé d'armement. Le plus tôt sera le mieux. Oh, j'aimerais clarifier une chose. J'ai dit que le signal s'entendait à peine pour les humains. Mais quand je vous scanne, vous, on atteint le niveau d'un typhoon. Ah! Cool. Donc nous, on va l'entendre.
contre, je voudrais bien savoir le code. Ah bah, salle de fitness. C'est joli. Jamais. Je n'ai jamais retiré un neuromode. Et pourtant, aujourd'hui, je ne savais plus comment aller au laboratoire technique. J'ai erré dans l'arboretum pendant une heure. J'ai inventé une excuse, mais je sais que Miyu a des doutes. Je ne peux pas continuer à fabriquer des jouets pour Transtar, alors que j'ai fait part à Alex de mon projet. Il m'a donné un appareil pour m'aider, un dispositif parapsychologique. C'est Morgane qui l'a fabriqué. Certains composants me dépassent complètement. Encore ce rêve. Il y a quelque chose qui cloche dans cette station. Quelque chose ici, avec nous, mais... J'hallucine pour de bon à présent. Le doute n'est plus permis. C'est vrai qu'inverse le mois et le jour. Mais je ne me souvenais plus de notre date d'anniversaire. Pendant un instant, même son nom ne me revenait plus. Son nom! Si un jour je me réveille et que je ne me souviens même plus sur quoi je travaille, je dois tout confier à Morgane. Il saura quoi en faire. Premier essai. Électrode antérieure en surchauffe après 6 secondes. Mais je jure qu'à un moment, je l'ai revu. Le jour où on s'est rencontrés sur la Costa Amalfi, ouais. Sa robe couleur soleil. Ma Clorinda. Intéressant. Bon, je voudrais bien faire ça, moi. Non, je sais pas. On verra. Alors, bracelet électronique. Ah, tellement de choses, pièces détachées, quoi. Alors, on a 8 neuromodes. On pourrait faire le piratage ou alors je continue à faire ça. Je peux pas? Recherche insuffisante. D'accord. Faut rechercher plus de cauchemars, je pense. Utiliser ça du coup. Sans points de dégâts. Et on va garder le reste pour voilà, mobilité, et après je ferai le hack. Il y a trop de choses à faire à chaque fois. Cauchemar vous traque. Oh cool.
énorme typhoon est apparu peu après l'installation de vos neuromodes extraterrestres. Oh. Il vous traque. Cool. Nouvelle attitude psy disponible. Oh putain, je suis bloqué comme un con. Oh, j'étais bloqué comme un abruti. Ça a déjà équipé. Et les soins. Les os. Fracture. Ouh. Donc c'était un typhon. Un cauchemar. Il m'a complètement détruit mon flingue, le truc. Tiens, j'en ai deux. Alors, on a une fracture. Brûlure. Stop les hémorragies. Fracture. Et il faut réparer la combinaison. Alors là, c'est quoi déjà ? C'est ça ? Ouais. Le code de la porte est 1387. Bureau postal. Ici Folles. Officier Folles. Malia, j'ai une demande importante à vous faire. Une demande qui requiert la plus grande discrétion. Je dois savoir si je peux vous confier une mission. Fêter la réussite du Transtar. Surveillance. Oui, bien entendu, monsieur. Simplement, en temps normal, j'ai besoin de l'autorisation du chef Elazar, des RH ou d'un autre directeur pour ce genre de tâches. Tous ces gens sont mes subordonnés, Malia. Bien, monsieur, je comprends. Je veux que vous gardiez... Pas comme ça, vu que tu es parti, tu dis que tu devrais les dessiner pour aider à les faire partir. Un œil sur Analyse Gallegos. Où elle se rend, ses horaires de travail, ses visiteurs. Je consignerai tout sur le terminal de la sécurité. Bien. Envoyez-moi un rapport d'ici la fin de la semaine. Bien, monsieur. Je voulais des nouvelles, Sky. J'ai juste abusé des neuromodes. Je me sens... bizarre. J'arrive pas à croire qu'Alex t'ait embarqué dans ses pitreries à la tulipe. Tu rigoles ? J'ai toujours voulu jouer d'un instrument, mais j'en ai jamais eu le temps. C'est comme si... je pouvais voir la partition dans ma tête. J'ai l'impression d'en être capable depuis toute petite. D'ailleurs, tu vas monter sur scène avec moi, pas vrai ? Seulement pour te rattraper si jamais tu t'effondres.
Et seulement si tu m'empêches de frapper Alex si je suis bourré. Yay. Morgan, j'ai trouvé un projet de satellite traitant des signaux psychotroniques à distance. Le RPSS X5. Il pourrait imiter une empreinte neurale identique à la vôtre. En d'autres termes, pourriez-vous en servir pour vous débarrasser de ce nouveau typhoon? Malheureusement, d'après les derniers rapports, le satellite a été endommagé. Vous allez devoir trouver une pièce de rechange. Pour se débarrasser du nouveau typhoon. Enfin, j'ai pas trop de problèmes non plus, quoi. Tu attises ma curiosité. Vous êtes prête à recevoir les instructions, madame? T'as intérêt à ne pas nous attirer de problèmes. Enfin, pas trop, en tout cas. D'abord, tu dois gagner l'arbre où nous avons gravé nos initiales. Et si je rencontre Julien Howard? Cours comme une dératée. Julien Logre n'aime pas qu'on touche à ses arbres. Ou à ses fruits. Ça le décoincerait un peu, cela dit. Enfin bref, sous une pierre, tu trouveras une carte d'accès magique. Cette carte d'accès ouvrira tout ce que tu souhaites. J'ai pas besoin d'une carte pour ça. Et ne t'inquiète pas pour le boulot. Mikaïla a dit que tu pouvais te reposer un peu puisque c'est ton anniversaire. Il va falloir trouver une carte d'accès sous une pierre. Oh putain. Il y a trop de choses à faire, quoi. C'est abusé. Alors, puce par la combinaison. Augmente la batterie de la lampe torche. Oula, non, pas ça. Ok, ce côté maintenant. Passage là. Pistolet en or. Champion est venu sur Talos 1 afin de que le département neuromode lui prenne un connectome de son cerveau lors de sa visite. Il fut ému au point d'offrir le pistolet en cadeau au Capitaine Jada Marks. Bon, c'est exactement le même flamme qu'on a, sauf qu'il est en or. Quoi. On va utiliser celui-là, je pense. Parce qu'il est en or.
Voilà. Bon, bah tiens, on va sauvegarder du coup. Ouais. C'est bien le silencieux, c'est bien le même. Ça marche. Ah. Qu'est-ce que je fais moi? Je pense pas qu'il nous ait vu encore. On va devoir faire tellement de grenades en plus que j'en ai plus, des munitions. Ok. Il est passé là ce con. Mais merde. Terminé. Nouvelle aptitude psy. Je me demande si l'attaque psychique peut faire du critique quand le machin nous a pas vu en fait. Oh, une puce. Ah. Force 2. Sûrement la pierre. Je sais pas si ça marche avec une grenade, machin. Comment on pourrait faire?